Mais dans la réalité de ma vie, non, non, c'est vraiment, je me rends compte qu'il faut beaucoup, beaucoup travailler en fait. Et parfois, bah, pour à la fin du mois se retrouver avec bah, juste de quoi payer ses charges, de quoi se payer à manger. Et donc, dans mon enfance, c'est vrai que c'était très présent. J'avais une grand-mère qui suivait pas mal les cycles lunaires et avec qui je passais beaucoup de temps, spécialement qu'elle m'enseigne les choses. C'était là. On dit toujours qu'à sa propre naissance, à la naissance de chacun d'entre nous, il y a un ou plusieurs, souvent plusieurs, animaux totems qui se portent volontaires pour nous suivre dans la vie. Alors, je dois avouer qu'au départ, je n'étais pas forcément emballée. Quand il m'a parlé de douche froide, c'est vrai que j'ai. En fait, mon gros déclic dans mon évolution personnelle, ça a été un cercle de femmes. Que j'ai ramené d'Inde, en fait, j'y allais pour sentir l'Inde, tu vois, pour respirer l'Inde, pour et ça, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a envahi ça m'a comblé de joie, de bonheur. Mais moi, avant, je me disais, si j'ai pas ces croyances-là, je ne peux pas adhérer, ni même écouter, ni même explorer ce qui se passe là-dedans, parce que je ne possède pas la croyance. Je sais maintenant quel est mon rôle et ma mission, en quelque sorte. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses, j'ai pas mal jardiné, j'ai vendu mes graines,